Donc voilà, vous avez probablement rêvé au processus de production du handicap, un peu, peut-être. Et vous m'avez dit hier, de façon assez unanime, que c'était déjà intégré. On va faire un petit test ce matin, quelques minutes à peine. Si je vous posais la situation suivante, je vous la lis, et avec vos... on les a appelés des bidules, mais c'est pas le terme scientifique, certainement. Mais avec vos appareils, je vais vous demander de voter. Okay? Avec les lettres qui se trouvent sur les touches que vous avez sur votre appareil. Je vous lis donc, Jean-Louis ne peut plus accomplir. Je vous donne le contexte parce que sans le contexte, c'est difficile d'être capable de mettre un terme sur une partie de la phrase. Jean-Louis ne peut plus accomplir son travail à l'atelier l'après-midi parce que l'on n'a plus le personnel pour le superviser. Tout cela provient d'une diminution des budgets. Ses yeux et ses mains ont perdu de leur coordination, de sorte qu'il semble moins probable de reprendre un jour des activités semblables. Vous êtes prêts? Je vous laisse encore 20 secondes pour y réfléchir. Oui? On y reviendra. Il faut poser à l'animateur. Quelle question vous avez? Alors, la question, est-ce qu'on peut revenir à la phrase? Oui, on y reviendra normalement, ne vous inquiétez pas, on reviendra sur la phrase. Est-ce qu'on peut revenir à la phrase? Peut-être la noter parce qu'on peut... On va y revenir à chaque fois, hein, je crois. On va y revenir à chaque fois. Votez pour le premier, la première parenthèse. Est-ce un C, un I? Voilà. Est-ce que vous êtes rassuré, tout va bien? Les votes entrent. Déjà 14, 15 personnes ont voté. C'est long. On sent qu'il y en a qui essaient de copier sur leur voisin. Mais comme le voisin ne se décide pas, il ne peut pas avancer. Là. Au premier rang? Oui. Au premier rang, là. Voilà, ça entre. Alors, si ça peut vous rassurer, c'est anonyme. Hein. On ne pourra pas dire qui s'est trompé. En général, ça devrait libérer les... Quoique... Il y a un spot qui s'allume sur la plus mauvaise réponse. Encore quelques-uns qui restent à voter. Ceux qui ont voté, levez la main, juste pour voir ceux qui traînent un petit peu. Bon, on est une meilleure participation que dimanche. C'est ça. Oui, on a au moins 60% là. Bon, je pense qu'on n'est pas loin du... On n'est pas loin du compte, du maximum. Voilà. Ah, voilà le score. Vous nous avez dit en majorité à 44% H. Il s'agit en fait d'une habitude de vie pour vous. Il y en a d'autres qui ont pensé que c'était I. Dans le domaine des aptitudes, en termes d'incapacité. Ensuite, O, comme un obstacle environnemental. Ou bien encore D, comme si le système squelettique était brisé. Qui n'est pas tout à fait ça. La vraie réponse est H. Donc, parce qu'il s'agit vraiment d'une habitude de vie, Jean-Louis ne peut plus accomplir son travail à l'atelier l'après-midi. On ne sait pas la cause, on ne connaît pas la raison, mais on sait que son habitude de vie est de travailler l'après-midi à l'atelier. Il ne peut plus le compléter ou le réaliser. On va se reprendre avec le deuxième, alors. Parce que l'on n'a plus de personnel pour le superviser. Et là, on va atteindre très certainement 98%. Allez, votez sur le deuxième.
Ah, c'est bien plus rapide. Hein. On sent qu'il y a de l'assurance maintenant. Quels sont les participants qui n'ont pas encore voté? Levez la main. Dénoncez-vous. C'est un peu plus gênant. Donc, on va produire le résultat. Que personne ne lève la main, mais le chiffre augmente encore. Oh là là, ça s'améliore de fois en fois. Donc, effectivement, il s'agit d'un obstacle environnemental, vous l'avez deviné, parce que cette partie de la phrase, en fait, mentionne que dans l'environnement, le soutien nécessaire à notre Jean-Louis n'est pas présent. Troisième, tout cela provient d'une diminution des budgets. Ça devient même frénétique, les votes augmentent à vue d'œil. Diminution du budget, c'est quoi? C'est le... Ben, c'est obstacle. Ah non, c'est la cause. De plus en plus, hein. Il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas voté, ça sent bien. C'est la cause. C'est. Donc, c'est exact. Voilà. C'est en très grande majorité. On a presque atteint 90 %. Je vous l'avais dit, hein? Vous êtes vraiment, vous êtes en maîtrise de ce modèle. Ses yeux et ses mains ont perdu de leur coordination. Ses yeux et ses mains ont perdu de leur coordination. Il faut qu'ils suivent. Ah, ouais, c'est... ça, c'est la déficience. Je me trompe peut-être. Quelle serait la bonne réponse, alors? Lorsqu'on parle de coordination, hein, c'est de ça dont on parle. Évidemment, il y a les yeux et les mains, mais on parle de la coordination. Il s'agit vraiment d'une aptitude. Okay? Maintenant, quel est le système déficitaire? La phrase ne nous le dit pas. Donc, ça ne peut pas être « D », mais c'est plutôt « I », « incapacité ». Parce que c'est l'expression, en fait, d'un facteur personnel qui s'exprime à travers, ici, l'utilisation des mains et des yeux. Donc, ceux qui ont répondu « I » à 35 % les bleus, levez donc la main. Oh, j'en ai 80 % Parfait. D'accord. Et le dernier. De sorte qu'il semble moins probable de reprendre un jour des activités semblables. Insister sur le mot « activité ». Tu mets une touche blanche, tu donnes une mauvaise réponse, t'as 90% de dessus. Il faudrait faire des expériences. Oui, c'est vrai. Il y avait une émission extraordinaire, c'était en 2015, mais à travers l'autorité que représente la télévision. Je suis certain qu'on approche le 100%. Je pense que les gens ne se posent même pas la question. Peut-être.
On a le 100%, mais en additionnant chaque colonne. Hein, c'est. Ouais. H. Il s'agit vraiment d'une habitude de vie, en fait, dont on parle. Ici, de reprendre des activités. Et lorsqu'on parle d'activité, c'est habitude de vie. Lorsqu'on parle de situation ou d'objet de l'environnement, c'est plutôt l'environnement, hein, c'est O. Lorsqu'on parle d'une aptitude, d'une capacité, il s'agit plutôt d'aptitude, hein, au niveau des incapacités ou capacités, I ou C. Et lorsqu'on parle du système lui-même affecté, squelettique, circulatoire ou autre, là, on va parler de déficit. Et les causes, ici, il n'y en avait pas, je crois, dans la présentation. Donc, on ne connaissait pas les causes de ce qui était présenté ici. Et dans une même phrase, on peut avoir trois H, deux O, ça dépend ce qui est exprimé. Je vous invite à lire les journaux à propos des personnes handicapées et regardez comment c'est écrit. À quoi il réfère comme cadre conceptuel? Et habituellement, c'est le cadre d'il y a 20 ou 25 ans qui est imprimé donc, dans la pensée des journalistes souvent, qui n'ont pas tout à fait les bons termes ou on ne leur a pas exprimé les bons termes pour parler d'une situation qu'ils souhaitent relater. Ça avait pour objet, donc, cette petite présentation de quelques minutes de rappeler à votre souvenir le processus de production du handicap. Nous avons présenté hier le modèle schématique. Ce modèle se traduit par des instruments d'observation, des questions, hein, qui sont de trois ordres. Généralement, la façon dont l'instrument ou les instruments, parce qu'il y a des instruments qui s'adressent aux enfants, d'autres aux adultes, d'autres aux adolescents, sont conçus de la manière suivante. On pose trois sous-questions par rapport aux habitudes de vie. Dans telle habitude de vie, est-ce que la personne peut accomplir l'activité? Sur une échelle, une certaine échelle, 1, 2, 3, 4, d'accord? 4 complètement, 3 moins, 1, pas du tout. La deuxième question qui est posée, a-t-elle les ressources pour pouvoir accomplir l'activité, donc avec de l'aide, du soutien, 1, 2, 3, 4? Et que pense-t-elle de sa situation actuelle? Est-ce que pour elle, elle aurait besoin d'une intervention ou d'un soutien supplémentaire ou autre? Parce que je pourrais avoir certaines incapacités, être dans une situation de soutien, que ce soit amplement suffisant. Donc, ça nous dit, à nous, intervenants, de dire, si c'est ça et que la personne ne souhaite pas de soutien, il ne devrait pas généralement avoir un objectif d'intervention ou structurer donc une activité qui permette à la personne donc d'avoir plus de services. Donc, on est très loin de ce que j'appelle, moi, les services mur à mur, où on offre une série de services à la personne, même si elle n'a pas tout à fait besoin, parce qu'elle s'inscrit dans des programmes ou dans des activités destinées à tout le monde. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, si on s'en va vers un projet personnalisé, il faut aussi avoir une évaluation personnalisée des besoins et prendre en compte ce que la personne souhaite aussi. Et là, il y aura un jugement que j'appelle clinique pour vous. Si la personne ne désire pas le service, mais ça met en danger sa sécurité ou autre, là, il y a une discussion à avoir avec la personne et autres. C'est vous qui allez poser ce jugement par rapport à la personne. Mais si le choix ne met pas en danger la vie de la personne ou sa sécurité psychologique ou physique, ben c'est ses choix aussi comme vous le ferez dans votre propre vie. Vous voyez? Donc, ces instruments vous aident à mieux cibler les besoins et en plus à construire vos objectifs d'intervention et à prioriser, mettre en priorité l'ensemble des objectifs par rapport à ses désirs ou à ses besoins, parce qu'on peut commencer, bien sûr, ou par l'alimentation. Généralement, il n'y a pas beaucoup d'usagers qui commencent par l'alimentation. On va commencer par le loisir, les relations interpersonnelles, etc., pour être capable d'avoir l'ensemble, une vue d'ensemble des habitudes de vie de la personne sur une période donnée. Est-ce qu'il y a des questions? Je terminerai sur ça pour aujourd'hui. C'est tout aussi clair qu'il y a. Oui. Oui, il y a un monsieur là-bas. Est-ce qu'il y a un micro? Juste pour. Oui, mais la salle est très grande, souvent. Voilà. Merci.
Bonjour. Je suis de l'UNAFAM, les proches de malades psychiques. Oui. Et vos derniers propos me semblent ne pas prendre en compte la difficulté liée aux symptômes négatifs, qui sont bien moins connus que les symptômes féconds qui gênent plus la société. Le symptôme négatif qui est la non-demande, le non-recours et une expression du besoin qui est d'autant plus faible que le besoin est fort. Donc je comprends bien la nécessité de se centrer sur le projet de la personne, mais il ne faut pas non plus, entre guillemets, être dupe de ce déni qui fait que les gens ne demandent rien, ce qui fait qu'en France notamment, depuis des dizaines d'années, ils sont servis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand-chose. Donc méfiance quand même sur le handicap psychique où effectivement favoriser l'expression des besoins réels, intimes, fait aussi partie de l'accompagnement. C'est ce que j'appelais le jugement clinique tout à l'heure. En fait, en fonction de la réponse et du dialogue, j'ai apporté aussi un jugement sur la situation. Ça concerne les personnes, évidemment, avec des problèmes qui présentent des problèmes psychiques, mais aussi les jeunes en situation de délinquance ou de criminalité, wow, qui habituellement ne requièrent pas de service de notre réseau. Hein? Ils préféraient que les intervenants soient plus loin de sa situation. Donc, il y a aussi un jugement clinique à porter sur ça. Maintenant, ces instruments nous permettent, en fait, d'avoir une vue d'ensemble de la situation, hein, dans les domaines de vie de la personne, et ensuite de tenter de se donner un langage commun qui parle le langage des personnes elles-mêmes, hein, ses habitudes de vie, et ensuite d'évaluer en fonction du déficit qu'il présente, des soutiens qu'il a, s'il devient intéressant de pouvoir intervenir ou important de pouvoir intervenir. Parce qu'autrefois, on avait des instruments qui ne posaient que le diagnostic. Mais on ne savait pas trop comment utiliser le résultat de ce diagnostic. Et les nouveaux instruments vont beaucoup plus loin. Oui, le micro n'est pas loin de vous. Oui, je peux compléter ma question. Vous avez répondu avec clinique. J'insiste pour dire que ce n'est pas clinique au sens sanitaire du terme, mais que c'est une approche qui doit être fondée justement sur des regards croisés, c'est-à-dire social, proche aidant, etc., que ce n'est pas clinique réservé au monde sanitaire. Voilà. Pour moi, ce n'est pas médical, mais il s'agit d'un regard thérapeutique, si vous voulez, aussi bien au niveau médical, psychiatrique ou social. Et à d'autres disciplines aussi. En fait, il s'agit de jeter un regard, pour moi, biopsychosocial, pour être capable de prendre en compte l'ensemble de la situation. Mais ce que je voulais surtout insister sur le fait que ce jugement professionnel, il ne peut pas être ténu ou évité. Il faut vraiment aussi le porter pour voir comment on peut accompagner la personne dans ce que j'appelle un choix plus éclairé de sa situation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Non? Parfait. OK. Bien, merci. Maintenant, on va parler de valorisation du rôle social. Valorisation du rôle social, on en a parlé brièvement hier comme des référentiels particulièrement importants. Ce matin, on va aborder plus précisément cette question et voir comment elle est utilisée. D'abord, rappelons, et dans la présentation historique, je l'avais mentionné au passage, mais sans aller beaucoup plus loin, qu'un des prédécesseurs, c'est Ben Nérié, suédois, dont je vous ai parlé, 1925-2006. Qui avait dit ceci. Une facette majeure du principe de normalisation, parce que c'est ce qui l'intéressait, la normalisation, en disant, au départ, je ne vois aucune raison valable pour interner des personnes de leur seule déficience intellectuelle. Il peut y avoir d'autres raisons qui accompagnent, mais de la seule déficience intellectuelle, je ne vois pas pourquoi ces personnes devraient être internées, mises en groupe et ségrégées.
parce que c'est ce qu'il faisait auparavant, avant la première, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, consiste à créer des conditions, on est dans le domaine environnemental et des aptitudes, créer des conditions, vous me suivez toujours, j'associe au PPH, donc des conditions qui permettent, par lesquelles une personne qui présente des incapacités, ça c'est moi qui ai ajouté incapacité, à l'époque ça n'existait pas le terme, donc des incapacités expérimente des situations de respect, habitudes de vie, ont droit, auxquelles ont droit en fait toutes les personnes. Donc, pour lui, il insistait particulièrement sur la reconnaissance des personnes ayant des incapacités comme personnes à part entière d'abord, comme étant des personnes. Pour lui, Ben Mérier, c'est un grand humaniste, en fait, de son époque, qui va aussi influencer les autres cadres de référence qui vont venir par la suite, que ce soit l'empowerment, que ce soit l'approche positive des personnes, que ce soit le processus de production du handicap, les définitions de la déficience intellectuelle qu'on a depuis la nouvelle, qu'on a depuis 2011, qui devrait être réformée d'ici 2 ou 3 ans, parce que cette définition change habituellement entre 8 et 10 ans. Il y a un comité, des comités internationaux qui travaillent depuis un certain temps à revoir la définition en raison des nouveaux contextes. Il dit ainsi, les choix, souhaits, désirs et aspirations d'une personne présentant des incapacités doivent être considérés par rapport aux actions qui les concernent. Mais il y avait là semé déjà le germe de ce qu'on va reprendre par la suite dans les lois actuelles, les lois de 2002, les lois de 2005 ici en France, et aussi dans une foule d'autres pays de la communauté européenne et des pays américains, l'Australie, Israël, le Japon, etc., etc., et j'en parle. Donc, il va être celui qui va inspirer cette philosophie humaniste après, évidemment, un bouleversement énorme et l'extermination, pardon, de millions de personnes. Il aurait pu recréer l'ancien modèle, il aurait pu retourner dans les sillons antérieurs, et là, il a voulu faire vraiment une démarcation comme pionnier. Il dira ceci. Il met en œuvre 7 principes. Le premier principe, il dit, et c'est tout à fait simple, hein, il dira « Donner à ces personnes la possibilité d'avoir un rythme de vie normal. » Qu'est-ce qu'un rythme de vie normal? C'est le rythme de vie qu'ont les personnes de mon entourage qui correspond à mon âge, à ma condition, d'accord? À ma communauté, à mon quartier, en fait, et qui vivent de telle ou telle façon selon les journées, selon les semaines, selon, vous voyez? Il n'a pas proposé un modèle unique, figé, de rythme de vie normal. Le normal se décline toujours à partir de ce que les autres vivent et qui n'ont pas nécessairement mon incapacité. Ça va être toujours la comparaison normalisante, si on veut, avec ma communauté. Deuxième principe, il dira un rythme normal de l'année, en fonction des saisons, notamment, avec les congés, les fêtes de famille, etc. En fait, avec l'ensemble des marqueurs sociaux qui font en sorte que la vie d'une personne prend un sens et se rythme aussi en fonction d'un collectif. Donnez-leur la chance d'avoir accès à ce rythme normal en fonction des saisons. Parce qu'il avait constaté, comme Dorothea Dix, dont j'ai parlé hier, vous vous souvenez, l'Américaine, en fait, qu'on était, et aussi d'autres par la suite, que le rythme de vie des personnes était marqué plutôt par la routine, que les jours se ressemblaient, que les saisons se ressemblaient, et que la vie passait sans vraiment avoir ce type de marqueur qui aide les personnes à se situer dans le temps, lorsqu'on sait qu'effectivement, en déficience intellectuelle, la plupart des personnes ont des difficultés, justement, avec ce temps, passé, présent, avenir. Donc, aidez-leur
à vivre leur vie en utilisant ces marqueurs. Le troisième, le quatrième, avoir l'opportunité, donner-leur l'opportunité d'être exposé aux expériences des cycles de vie suscitant le développement et non pas uniquement la routine. Permettez-leur d'avoir des occasions de développement, d'apprendre de nouvelles choses, de côtoyer de nouvelles personnes, de nouvelles situations, et permettez-leur aussi de pouvoir les intégrer graduellement. Okay? Et on va revoir tout à l'heure que Wolf Wolfenberger va actualiser ce principe en nous donnant la possibilité d'avoir des instruments qui vont questionner ces principes que Ben Nérier nous transmet. Des occasions valorisantes, indépendamment de mes incapacités. Évidemment, ces occasions valorisantes vont varier d'un individu à l'autre et selon leurs capacités ou selon la richesse aussi de leur environnement. Cinquièmement, prise en considération des choix, des vœux et des désirs des personnes déficientes intellectuelles et que ces choix, dans la mesure du possible, soient respectés. Bien sûr, plus motivant, plus conforme au respect des droits des personnes, dans la mesure où il est possible d'atteindre cet objectif-là. Mais encore, pour l'atteindre, faut-il les connaître? Faut-il poser la question? Faut-il observer les personnes? Et pour dégager, en fait, de l'observation, les préférences, les goûts, les habitudes de vie de cette personne. Vivre avec un monde sexuel conforme à sa culture. Lorsqu'il avait exprimé pour la première fois dans les années 59-60, les principes écrits, il les avait déjà en réflexion de 47 à 50, mais il a commencé à les exprimer en public, lors de conférences et autres. Ça a fait tout un tollé. Hein? Parce qu'à cette époque, les personnes déficientes intellectuelles étaient comme des anges, pas de sexe. Et donc, et s'ils faisaient des crises, j'allais dire, libidinales, c'était pas en rapport avec l'exercice de leur libido, c'était d'autres problèmes qui se manifestaient et on voyait effectivement qu'il y avait des difficultés. Ici, ça posait aussi un problème. Parce que l'organisation de nos services, comme on l'a vu dans la présentation historique, était ou bien faite pour les hommes ou bien faite pour les femmes, pour éviter la procréation, en fait. Donc, et ici, il dit non, un monde sexuel conforme à sa culture. C'est un enfant avec ses parents. C'est un adulte ou un adolescent qui s'éveille avec des personnes qu'il aura choisi de fréquenter. Ça peut être au niveau de l'amitié, ça peut être au niveau sexuel, bien sûr, ça peut être au niveau affectif, mais permettez-leur d'avoir des liens significatifs avec d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement de leur propre sexe ou qui n'ont pas nécessairement les mêmes incapacités qu'elles. Accompagnez-les, c'est ce que ça veut dire aussi. Mettez en place des situations d'exercice, hein, de vivre avec d'autres sexes, et accompagnez-les dans les difficultés éventuelles ou dans les limites qu'ils auront. Bien sûr, ça signifie traiter nos tabous, nos propres tabous personnels, nos propres craintes personnelles. Ça veut dire aussi peut-être de prendre certains risques calculés. Ça veut dire aussi d'être capable de permettre à la personne de réfléchir, d'anticiper dans ses actions, etc. Et si vous lisez ce que Michael Wimmer a travaillé, a présenté en ce qui concerne l'autodétermination dans les années 2000-2005, bien, Michael Wimmer va vous dire, en fait, permettez aux personnes de faire des choix essentiels le plus tôt possible dans leur vie. Ne faites pas à leur place, ne prenez pas les choix à leur place. Faites, dans la mesure du possible, parce que ce n'est pas toujours facile là, de prendre le temps de permettre à ces personnes de faire des choix. Faire des choix, ça veut dire d'avoir plusieurs options, pas juste une seule. Et pas nécessairement celle qui me concerne ou qui m'intéresse. Permettez à ces personnes d'anticiper le résultat des choix qu'ils auront faits. Ça aussi, c'est une autre difficulté en déficience intellectuelle. Et il va proposer des stratégies pour être capable d'y arriver. Permettez-leur de résoudre des problèmes. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont vivre des situations
d'être capable d'examiner la situation en tant que personne pouvant résoudre le problème. Ça va? Vous l'avez probablement dans le domaine de l'autisme avec ce qu'on appelle les scénarios sociaux. Je ne sais pas si vous l'utilisez aussi dans votre pratique, cette stratégie, hein, où on peut proposer à la personne des situations et on lui demande de réagir à telle ou telle situation et de voir avec la personne si c'est la meilleure stratégie, s'il peut, et ensuite d'expérimenter en réel ces situations problématiques. Aidez-leur aussi à comprendre comment contrôler à la fois leurs choix et leurs émotions. Aidez-leur aussi à pouvoir se féliciter, se récompenser pour les actions qu'ils font, comme des personnes qui en valent la peine. Voilà. Donc, il va proposer 7 ou 8 grands piliers, j'appelle, de l'autodétermination, qui, piliers, vont demander d'être déclinés dans des stratégies parce qu'on s'attaque vraiment à des difficultés importantes dans le domaine de la déficience intellectuelle. Ben Nérié, 1956, publié vers les années 70, quelques années avant que Wolfenberger propose de modifier le concept de normalisation pour valorisation des rôles sociaux, ben, va nous permettre donc de poser les jalons, les bases de réflexion nécessaires pour qu'on puisse maintenant travailler à articuler, à bonifier le modèle qui est proposé, mais surtout à avoir une emprise, je dirais, empirique sur ces principes ou sur ces concepts. Les concepts, c'est intéressant, les réflexions, c'est intéressant, mais compte tenu qu'on est dans le domaine de la pratique, avoir des pratiques aussi, c'est important. De passer à l'action aussi, c'est important. Et pour passer à l'action, ben, il faut être aussi instrumenté. Il faut savoir ce qu'on observe, il faut avoir des critères, il faut avoir, OK, qu'on peut changer, bien sûr, qu'on peut modifier, qu'on peut améliorer, qu'on peut, mais il faut en avoir. Sinon, on est aveugle. En fait, où on y va en fonction de nos préjugés, ce qu'on pense être bon, ce qu'on pense être, et non pas en fonction d'un cadre ou d'un cadre en pluriel qui nous guide. Et les conditions préalables permettant aux personnes déficientes intellectuelles d'obtenir une existence aussi près que possible de la normalité et de leur assurer des revenus normaux. On n'a pas tout à fait atteint encore ce principe-là, mais déjà, il avait posé les jalons. Des rythmes normaux de vie, une reconnaissance comme citoyen, un monde dans lequel je pourrais m'expérimenter, me développer, un monde où je pourrais exprimer ma sexualité et aussi où je pourrais avoir des revenus suffisants pour survivre de manière autonome. C'était à cette époque assez impressionnant et révolutionnaire. On n'avait pas du tout cette conception de la déficience intellectuelle. Par contre, particulièrement en Europe, cette fois-là, le concept de normalisation, il ne fait pas fureur. Particulièrement pour les communautés francophones, parce que le concept de normalisation est pris comme étant le principe qui voudrait qu'on peut rendre normale une personne qui n'est pas normale au départ. Mais ce n'est pas ce qu'avait imaginé Nérié ni Wolfenberger par la suite. Ce n'est pas de rendre la personne normale, c'est de lui permettre d'avoir des conditions normales de vie. Ce n'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Bien sûr, on sait maintenant que le quotient intellectuel pourra varier légèrement s'il y a des conditions favorables, hein, de développement. Maintenant, normalité, normalisation, ça accroche un peu dans le concept. Wolfenberger, qui est ici, donc, qui est décédé en 2011, vous voyez, donc, date de naissance. Il est allemand d'origine. Il va quitter l'Allemagne pour l'Angleterre. Et avec le début de la Deuxième Guerre, particulièrement en 1940, il passe aux États-Unis. Et c'est là, en fait, qu'il va élaborer son modèle de valorisation des rôles sociaux. La préoccupation de Wolfenberger, en fait, c'est d'outiller les concepts de Ben Nérié, en acceptant, bien sûr, son modèle humaniste,
Mais en se disant, il y a l'autre côté de la médaille à cet univers humaniste dont on parle, de la personne, hein, la vision de la personne, c'est celui de l'offre des services. Les services ou la façon d'agir avec ces personnes, c'est l'envers de la même médaille, ce que je lui donne et ce qu'elle devient. Comment accomplir ce rôle de normalisation auprès de ces personnes, mais c'est par les services ou les soutiens, qu'on dirait maintenant, ce n'était pas développé à son époque, les soutiens qu'on peut offrir aux personnes, vous voyez? Donc, il va plutôt regarder à nous outiller avec les mêmes principes, mais du côté de la qualité des services. Il va déjà, en 1972, publier un livre qui est apparu après des sondages internationaux, le livre majeur de la dernière, du dernier siècle dans le domaine de la déficience intellectuelle et qui va s'appeler « Principes de la normalisation ». « The Principle of Normalization ». Donc, Wolfenbacher va se développer une compréhension des principes de Nérier. Ils vont discuter beaucoup ensemble. Hein. Ils ne sont pas toujours d'accord. D'ailleurs, dans plusieurs des congrès, il y avait des débats qui étaient quand même assez intéressants parce que Nérier avait quelquefois l'impression que Wolfenbacher est en train d'instrumentaliser des principes de base. Il disait, bien, il me semble que tu vas trop loin ou tu es trop réducteur sur tel aspect. Et donc, ça faisait des débats qui étaient quand même assez intéressants. Ça a été toujours deux grands amis jusqu'à la fin de leur vie. D'ailleurs, Wolfenbacher a rendu hommage, évidemment, lors du décès, hommage à Ben Nérier lors de son décès. La VRS, si vous me permettez, je vais prendre cet acronyme pour valorisation des rôles sociaux. C'est un ensemble de valeurs et de concepts, bien sûr, qui visent à rehausser les statuts des personnes en développant leurs compétences. Si je vous disais, on le rapporte au modèle PPH, en développant quoi? Quand je parle de compétences? 1, 2, 3, allez-y! Non. Les capacités. Les aptitudes, d'accord? À l'époque, il n'y avait pas de modèle PPH, c'était pas modélisé, mais il est là. Il dit, en développant leurs aptitudes, parce que c'est bien qu'au niveau des déficits, on ne peut pas faire grand-chose, et aussi en valorisant leur image, image sociale, et leur capacité aussi relativement à cette image. L'image, l'environnement, le regard, on l'a abordé hier, hein, il y avait eu des questions sur le regard. En développant ce qu'ils projettent comme personnes et en leur permettant de développer donc leurs aptitudes ou leurs compétences. Donc, on est vraiment encore dans le même modèle qui… donc, et si j'insiste sur cette dimension-là, c'est parce que on serait vraiment en erreur de penser qu'il existe plusieurs référentiels et que ces référentiels n'ont pas de pont entre eux. Ils ont des ponts, je dirais, temporels d'abord, parce qu'il y en a qui ont précédé d'autres. Et ils ont aussi une façon d'entrevoir ces principes pour aller plus loin. L'autodétermination, c'est les principes de la valorisation des rôles sociaux, mais appliqués à des stratégies qui permettent aux personnes de devenir autodéterminées, c'est-à-dire d'être autonome au plan fonctionnel, mais d'être autonome au plan décisionnel, ce qui, pour l'autodétermination, est plus important que le fonctionnel. Mais ça demande le fonctionnel pour être capable aussi de pouvoir prendre des décisions sur ma vie. Bon, voilà. Et chacun fouillant, si vous me permettez l'expression, leur corps de connaissances, développant des connaissances par la recherche, l'expérimentation, qui permettent de consolider les concepts déjà qui émanent à partir de la Deuxième Guerre. Et ça fait un courant majeur, très large, concernant la déficience intellectuelle. Il n'y a jamais eu, je dirais, une accélération aussi rapide des connaissances en déficience intellectuelle et aussi des façons d'aborder cette dimension hein, de la vie humaine, de l'humanité, et de leur permettre, en fait, de prendre une place plus importante, plus respectueuse dans nos sociétés. Donc, voilà, en les faisant participer au maximum aux décisions qui les concernent et aux activités de la cité. On n'emploiera pas le mot « communauté », mais plutôt de la cité, du monde,
du monde normal, du monde de tous les jours, de leurs concitoyens, de leur famille, etc. Donc, on est sur les mêmes bases, mais il va prendre une tangente du côté des services, ce que Nérier n'avait pas fait. Et aussi, ce que Wimmer, Michael Wimmer, ne fera pas non plus. Il va s'intéresser beaucoup plus aux capacités de la personne qu'à son environnement. Bien qu'il en tient compte, mais il n'explorera pas l'environnement. Wilson Buckley va expliquer ce qu'on appelle l'environnement comme facteur limitatif ou restrictif ou facilitateur davantage. Si on le compare au modèle PPH, bien sûr. Vous ne retrouvez pas dans les livres ce que je viens de vous dire parce qu'on ne fait pas nécessairement la comparaison entre l'ensemble des modèles. Là. Mais je pense que c'est important de le faire pour ne pas être dans un monde conceptuel où les concepts semblent être très différents, peu reliés. Non, ils sont très interreliés les uns aux autres. D'abord, en 82, avec Toulmin, qui est un autre chercheur dans le domaine de la déficience intellectuelle, je ferai remarquer, donc, c'est 18 plus 17. On est à 35 ans, c'est bien ça, si mon calcul est bon. Ça fait déjà 35 ans que ça a été exprimé. Il dira, dans la mesure du possible, l'utilisation de moyens culturellement valorisés par la culture. Donc, ce ne sont pas des personnes qui nous proposent un modèle unique de développement, mais un modèle comparatif aux autres. Ce qu'ils souhaitent, en fait, c'est qu'ils puissent vivre avec les autres personnes de leur communauté pour permettre à ces personnes d'établir ou de maintenir, donc développer, établir dans le sens de développer, et de maintenir, parce qu'ils ont déjà des acquis, des rôles sociaux valorisés pour ces personnes. Donc, de mettre en place des occasions en les soutenant dans leur aptitude ou des occasions en modifiant ou en améliorant l'utilisation de l'environnement pour leur permettre de se développer et d'acquérir des aptitudes. Il va nous proposer une série de corollaires, ce qu'on a appelé des corollaires, c'est-à-dire des piliers de la valorisation des rôles sociaux. Il va dire d'abord, en principe, et je vais arriver tout à l'heure aux unités de mesure, puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il va dire d'abord, rendez conscient, je traduis la première phrase, rendez conscient ce qui est inconscient d'abord. Ce n'est pas un premier principe, mais on sait que dans l'intervention, c'est une chose extrêmement importante. Si vous voulez briser les routines, si vous voulez orienter dans le respect des personnes, vers le respect des personnes, si vous voulez aider ces personnes à prendre plus de décisions, rendez d'abord conscient ce qui est inconscient. Parce qu'on fait toutes sortes de choses dans le cadre de nos routines où on ne s'aperçoit plus de ce qui semble être fautif par rapport à ce qu'on devrait faire. On est dans les routines, on est dans les structures habituelles, on remanie un peu les structures sans trop changer le fond des choses, et on reste encore dans l'inconscient par rapport à une idéologie ou à un idéal qui s'est donné. Et c'est vrai au quotidien, c'est vrai au quotidien. Je travaillais un jour sur une unité en psychiatrie où je voyais qu'au mur étaient attachés tous les briquets, parce qu'il y avait des fumeurs. À cette époque, les gens fumaient beaucoup. On fume toujours beaucoup, en santé mentale aussi. Je posais la question, bien, qu'est-ce à dire, ces briquets avec des chaînes vissées au mur? Ah, tu dis, tu sais, les personnes, on ne peut pas trop leur faire confiance. Je dis, aux 25 personnes qui sont ici, on ne peut pas leur faire confiance. Oui, il y en a quelques-unes, parfait. Est-ce qu'on peut voir dossier par dossier, voir quelle personne est et pourquoi tout le monde est condamné à la chaîne, si vous voulez, pour le briquet, plutôt que d'utiliser un moyen culturellement valorisé pour ceux qui le peuvent et peut-être un peu plus restrictif pour ceux qui mettent en danger ou leur vie ou la vie des autres? Mais la réponse, elle ne vient pas vite, hein? En fait, la réponse, c'est parce que c'est plus facile de faire ça, puis on permet de contrôler. J'ai demandé à l'homme d'entretien de visser 5 ou 6 briquets, puis c'est fini. J'ai dit, oui, mais c'est fini. Mais mon travail, c'est pas de régler le problème du danger uniquement. C'est d'en tenir compte, mais d'avoir une intervention. Je remarque aussi à la fois que les portes ici sont toutes barrées, y compris les portes de chambre. J'ai dit, oui, il faut éviter qu'ils aillent fouiller dans leur tiroir.
Mais est-ce que tout le monde va fouiller dans leur tiroir lorsqu'ils sont en activité dans l'autre aile ou qu'ils sont sortis? Tu dis oui, mais au cas où quelqu'un irait, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de libérer ses pas tout en assurant la sécurité? Je ne connais pas toutes les réponses, d'accord? Mais je pense qu'on a les bonnes questions. Comment rendre la liberté d'exercice, de vie aux personnes, leur permettant, en fait, de conscientiser davantage, pour les intervenants, ce qu'ils font? Vous voyez? OK. Vous avez tous probablement vu le film « L'éveil ». Le film « L'éveil », « Awakeness », avec Robin Williams et Robert De Niro. Ça vous dit quelque chose? Pour les plus jeunes, c'est un film en noir et blanc dans les années 50 que vos grands-parents ont probablement regardé à l'époque s'ils avaient une télévision ou au cinéma peut-être. L'histoire se passe dans le Bronx et ça vient un peu illustrer ce qui se passe là. C'est un chercheur, donc Robin Williams, avec, vous voyez un peu la posture du médecin chercheur qui arrive, un peu naïf, un peu dans les nuages et tout, un peu rêveur. Donc, il se présente pour être embauché parce qu'il faut bien qu'il travaille. Il n'y a plus d'argent pour survivre. Et il a fini de prouver que ce sur quoi il travaillait, bien, ça ne peut pas marcher. Bon, il dit, c'est parfait, on a prouvé que ça ne marchait pas. Sauf que, bon, il a passé 6 ans à faire ça. Il est très fier de lui. Il dit, enfin, on a la preuve que ça ne marche pas. Et donc, il passe l'entrevue. Il y a le médecin coordonnateur et il y a l'administrateur. Il passe un examen. Est-ce que vous connaissez tel type de clientèle? Oh, non, je n'ai jamais travaillé. Je travaillais dans un laboratoire. Est-ce que vous avez déjà pratiqué la médecine? Non, mais j'ai mon papier, donc je suis agréé. Donc, ça, c'est les questions du médecin. L'administrateur, lui, va avoir un médecin sur le poste. Peu importe, pourvu qu'il ait son papier, bon. Il dit, est-ce que vous tenez, ça, c'est l'administrateur, il dit, est-ce que vous êtes capable de tenir un stéthoscope? Ah, bien, il dit oui. Il dit, parfait, vous êtes engagé. Aux grandes dames du médecin qui est à côté. Donc, il rentre, on le voit, il est accompagné jusqu'à son unité de travail par un infirmier. Il pose la question fatidique, comment s'appelle l'unité où je vais aller travailler? Et la réponse est la serre, une serre. Ah, il dit la serre? Il dit oui. Il dit ici, on les arrose, on les nourrit. Vous voyez à peu près le Et déjà, il trouve ça un peu bizarre. Il dit, vous ne faites pas autre chose? En fait, le personnel, à cette époque, il est dans la routine. Parce que les patients sont plutôt catatoniques, donc ne bougent pas, donnent l'impression de ne pas avoir de réflexe, de ne pas être en contact avec leur univers. Et donc, lui va s'acharner, en fait, à comprendre la situation comme étant une situation où des personnes normales vivent des difficultés importantes et se créer des interventions pour rendre conscientes les perceptions que les personnes ont. Et donc, tout le film, je vous invite à le voir, il circule sûrement à quelque part. Évidemment, c'est en noir et blanc, etc. Mais l'histoire, elle est, au niveau de la valorisation des rôles sociaux, extraordinaire. Je ne vous raconte pas tout le film, je vous laisse le soin de le découvrir. Donc, c'est rendre conscientes les choses en discutant, en observant. Je vous donne un dernier cas et je vais passer au deuxième. J'entre sur une unité un jour où on prépare la fête de Noël. L'équipe éducative prépare la fête de Noël. Et je dis, pouvez-vous me montrer un peu votre planification? Il dit, oui, parfait. Fait que je regarde, réveillon de Noël, 14 décembre. Je dis, il doit avoir une erreur, ça doit être le 24 décembre. Il dit, non, c'est le 14. Ah bon? Ah ben, je dis, moi, dans ma famille, c'est plutôt le 24. Oui, ben nous aussi, mais on ne peut pas. Ah bon? Pourquoi? Donc, moi, je ne suis pas là pour évaluer, je suis là pour m'étonner des choses. Donc, je dis, pourquoi on ne peut pas? Ben il dit, c'est important de préparer la fête de Noël pour... Oui, ça, je sais, je partage avec vous le même souhait. Mais je dis, pourquoi le 14? Ben il dit, c'est pas possible de le faire autrement. Ah bon? Pourquoi? Bien, il dit, il y a les soirées du personnel de l'unité, ça va être le 12. Ensuite, il y a l'administration qui nous invite, ça va être le 16. Le 18, parce que c'est un vendredi, l'équipe part en vacances, elle est remplacée par, et on se rend jusqu'au 27 décembre.
Donc, la seule fête qu'on a pour eux, c'est le 14. Vous comprenez ce que je veux dire? Je dis, écoutez, je ne veux pas nécessairement changer les choses, là, mais je souhaiterais que vous soyez conscients de la réalité. Il y a les personnes qui vivent ici, puis il y a vous. C'est important de respecter les deux, mais les deux, pas juste d'un côté. Pas juste celui qui a le pouvoir d'influence sur l'autre, mais les deux aussi. Il faut un peu se faire violence et partager notre pouvoir. Peut-être que la question à se poser pour l'année prochaine, comment allons-nous faire pour mettre en place des solutions permettant aux personnes de vivre, et là je vais au plus fort, dans leur famille, avec nous. Hein? Là, j'offre une série de possibilités, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut retourner à leur famille. Et si on retourne à la famille, je ne les mets pas à la porte le 23, je prépare, hein? Je prépare la famille, je vois s'ils ont des besoins, etc. Donc, ça se prépare quelques mois avant. Si c'est notre projet d'équipe. Maintenant, si ce n'est pas notre projet, l'année prochaine, ce sera peut-être le 7 décembre qu'on fera le réveillon ensemble. Vous voyez? Donc, évidemment, c'est peut-être pour vous difficile à comprendre, parce qu'ici, ça doit être le 24, bien sûr. Hein? Mais chez nous, il y a érosion assez bizarrement, des saisons, des dates, où on fête les personnes. Et souvent, la programmation de cette journée ou de cette soirée est déjà prévue d'avance par l'équipe. Sans trop de consultation, sans trop, on sait ce qu'ils ont besoin, on sait ce qu'ils aiment, on sait que. Mais dans le comité, il n'y a pas nécessairement beaucoup de résidents. Donc, c'est des exemples que je donne pour dire, rendez conscient ce qui est devenu inconscient. Et vous savez que dans vos propres vies aussi, c'est un principe qui est extrêmement important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait de façon inconsciente. Le deuxième principe, il dira pertinence des attentes et circularité des rôles. Et ça, je vais revenir sur la circularité des rôles. En fait, utiliser les attentes des personnes, leurs désirs, comme des éléments de motivation importants. Assurez-vous que vos attentes en regard des personnes soient plus élevées. Et là, je vais nuancer, il faudra que tout le monde écoute pour ne pas être taxé d'extrémiste. Assurez-vous que vos attentes soient un peu plus élevées que pour d'autres personnes. C'est-à-dire, c'est la chose suivante, au niveau des capacités ou incapacités, je ne partirai pas dans mon intervention, ou au début de mon intervention, ou dans mes perceptions préalables, avec le sentiment que les personnes ne seront pas capables. Je pars à l'inverse, ils sont capables, et je mettrai en place des situations d'accompagnement pour qu'ils deviennent capables, ou de substitution parce qu'ils ont certaines limites. Mais pour moi, les personnes présentent des capacités. Si je pars à l'inverse, bien, je vais avoir très certainement une diminution des attentes qui va influencer les personnes, qui va influencer leur développement et qui va confirmer mes préjugés. Vous n'êtes pas les seuls à l'abri, hein? Les fratries, les familles, les gens sont aussi sur cette dimension-là. Quand le dentiste me répond par rapport à un traitement dentaire ou buccal pour un usager en disant, bien, il y a une carie, mais on va lui enlever la dent, ça va être... Moi, je dis non. Je préfère qu'on soigne la dent et qu'il ait un beau sourire à la fin. Pourquoi un beau sourire? Tu dis, oui, mais il est déficient intellectuel. Ça n'aperçoit pas. Un instant, je ne suis pas sûr. Deuxièmement, bien, lui a besoin de son sourire plus que moi. Parce que moi, j'ai peut-être d'autres compétences sur lesquelles je me base pour être capable d'avoir une image sociale valorisée. Et qu'au niveau des compétences, on sait que toutes nos dents sont importantes pour la digestion, etc., etc., etc. Donc, c'est inadmissible d'accepter d'un médecin, d'un dentiste, d'un intervenant, d'une famille ou de la communauté, d'un voisin, qu'il ait des attentes par rapport à cette personne inférieures aux autres dans les domaines courants de la vie. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Donc, de maintenir ces attentes envers les personnes qui permettent de se développer. Circularité des rôles, j'ai dit que j'y reviendrai. Compensation positive, c'est-à-dire utiliser des moyens pour compenser aux besoins des limites que les personnes auraient quant à leur capacité ou encore quant à l'environnement dans lequel ils se situent. Compenser un peu plus. Compensation positive, si vous voulez, c'est dans un foyer de vie, hein, dans un quartier
où on demande aux intervenants d'être un peu plus attentifs à leur environnement physique. Par exemple, le gazon, là, il est un petit peu mieux coupé, pas trop, un petit peu mieux que le voisin. Ah, tu dis, pourquoi? Pour le laisser pousser, nous, ce n'est pas de notre travail. Non, tu dis, oui, mais l'image que vous allez projeter à propos des personnes, ça ne sera pas sur vous, l'image. Hein? Ça va être comme si les personnes étaient incompétentes ou incapables. Vous voyez? Tu dis, un petit peu mieux. Tu dis, là, tu vois, le mur à côté, chez le voisin, ben la peinture cloque un peu. Tu sais. Est-ce qu'on pourrait... Là, je suis juste au niveau de l'entretien, si vous voulez, ou de l'image de l'immeuble. Là. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut regarder. Et ça devrait être un petit peu mieux. Votre décoration, un petit peu mieux. Votre un petit peu mieux. Et non pas un petit peu moins. Parce qu'habituellement, on est un petit peu moins. Non, tu dis un petit peu plus. Donc, compensation, c'est une stratégie ou un pilier, un corollaire de la VRS qui nous est donc livré. C'est pour ça que je posais la question aussi hier. Est-ce que votre unité de vie se trouve dans un quartier, donc un quartier quelconque, et que si j'y passais, votre unité passerait relativement inaperçue parce qu'elle est un petit peu mieux que les autres, mais bon, semblable aux autres, vous voyez, pour que l'image ne permette pas ou que la situation due à l'immeuble étiquette les personnes qui y vivent. Et généralement, ces étiquettes sont relativement négatives dans la population générale. Hein? OK. Utiliser un modèle développemental avec les personnes, développer leur intérêt, développer leurs compétences, développer le choix, développer la prise de décision, développer la résolution de problèmes, développer l'amitié, développer les relations interpersonnelles, etc. Bon. Bref, on est en mode développement et pas en mode maintien. Autrefois, au Moyen Âge, on était plutôt dans le gardiennage. Mais au 21e siècle, on n'est plus là. On est vraiment ailleurs dans la façon de voir les choses. Utiliser la force de l'imitation pour enseigner aux personnes, donnez-leur des modèles qu'ils puissent observer, qu'ils puissent reproduire, comme on le fait dans nos propres vies, consciemment ou non. On a des modèles qu'on valorise, puis d'autres modèles qu'on valorise moins. Utilisez les modèles que vous valorisez, et Wolfenberger ajoutera, soyez pour eux aussi des modèles. Vous leur demandez de faire des choses, bien, faites aussi ces choses. Pas uniquement eux, mais vous êtes des modèles par rapport à ces personnes. Donc, vous avez des valeurs que vous exprimez, qui pourraient devenir leurs valeurs aussi, etc. Donc, des modèles. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans les loisirs, être conscient qu'on devrait être, nous, des modèles et demander aux autres aussi d'être aussi des modèles pour eux. Parce que l'imitation, aussi en déficience intellectuelle, est quelque chose d'assez fondamental. Ils observent et ils reproduisent souvent des comportements. Pensez aussi à la dynamique et la pertinence des images sociales. Et ça, on pourrait avoir beaucoup, beaucoup d'exemples. L'image sociale, en fait, c'est l'apparence que la personne donne. Bien, c'est entre autres l'apparence vestimentaire. Dans un certain établissement autrefois, quand ça c'est vraiment il y a un certain temps, quand les usagers d'une unité sortaient, d'abord ils sortaient toujours selon le nombre de sièges disponibles dans le bus. Ça va de soi, hein? Parce qu'ils aiment beaucoup voyager tous ensemble quand il n'y a pas de siège vide dans le bus. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, tu dis, bien, quand je vide une unité, je la vide toute pour pas qu'il y ait du personnel qui reste avec peu de... Bon. En fait, il y a un souci administratif dans la sortie. Mais le souci de l'individualisation, il n'est pas toujours là. Ensuite, je m'interroge, je regarde passer le bus. Chaque résident de ce service a un petit chapeau blanc sur la tête, mais quelques-uns n'en ont pas. J'ai présumé que c'est les intervenants qui n'ont pas de petit chapeau, puis les usagers, eux, ont des chapeaux. Et je pose la question, mais pourquoi les petits chapeaux? C'est plus facile de les reconnaître sur un fond blanc parce qu'on s'en va en forêt ou près d'une forêt, donc si quelqu'un, je le vois. L'image. Quand vous passez avec des petits chapeaux, le nez écrasé dans la vitre et les gens vous voient passer... Tu dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous allez au Carnaval de Québec, il y a un intervenant en avant, il y en a 10, puis ensuite il y a un intervenant en arrière. C'est comme si on sortait de prison.
faut pas qu'il y en ait un qui s'échappe. Mais c'est pas ça une sortie individualisée, c'est pas ça. C'est un accompagnement. C'est des gens qui parlent les uns avec les autres et pas uniquement eux entre eux, avec d'autres. C'est des occasions de parler à des gens qui vont au carnaval, de voir ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pas être ces pratiques-là, c'est ce qu'il nous dit. Dynamique et pertinence, donc des images sociales qui vont être projetées. Et c'est multiple. Vous allez voir dans les mesures qu'il va nous proposer, c'est multiple. Okay. Un autre exemple, je rentre dans une unité, ils ont à peu près tous le même vêtement de sport. Tu dis, on a un bon groupe de sportifs. Puis en plus, il y a eu une vente de vêtements, on a acheté ça à la même place parce que c'était pas trop cher. Ça ne peut pas être ça, la raison. Tu sais, je comprends, là, c'est mieux d'avoir un vêtement que pas de n'avoir du tout. Mais peut-être qu'on peut faire mieux, peut-être qu'il faut... Si je suis obligé d'aller là, je devrais nécessairement m'asseoir ensemble après avec les autres membres de mon équipe. Dis, comment on pourrait faire mieux la prochaine fois? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de condamner ce qui se passe, mais j'ai besoin d'observer pour pas que ça passe inaperçu de façon consciente et de saisir les bonnes raisons pour lesquelles on a fait les choses et d'essayer d'améliorer la situation des personnes et leur image par la suite. C'est ce que nous propose Wolfenberger. Et ça, vous en avez vous-même, là, on pourrait faire une collection, ça pourrait être intéressant d'ouvrir un site Internet puis de déposer des anecdotes ou qui relatent des expériences que vous avez eues. Intégration et participation sociale le plus possible, c'est un paradigme, hein, un postulat, un corollaire qui est particulièrement important, c'est-à-dire qu'en bout de piste, ce qui est recherché, c'est que la personne puisse s'intégrer et qu'elle ne soit pas dans une roue libre où son futur est égal à son passé. Vous voyez ce que je veux dire? En disant, qu'est-ce qui va m'arriver dans 10 ans? Bien, tu vas être ici, probablement dans la même chambre. Tu vas avoir vieilli, par contre. Tu dis, oui, mais comment je vais faire, moi, pour savoir si je peux diplômer de vos services? Ah, on a pensé à l'entrée, mais on n'a pas pensé à la sortie. Je ne sais pas à quel moment tu peux sortir. Je ne sais pas par quelle porte. En fait, parce que quand tu rentres, ben, tu nous es confié. Tu nous confies ta vie. Tu dis, ben non, corollaire de la VRS. Non, mon service, en fait, est un épisode. C'est un moment privilégié où je te soutiens. Mais lorsque tu n'aurais plus besoin de mon soutien, tu ne devrais plus être ici. Tu devrais être ailleurs. Vous voyez? Le principe, je sais que ce n'est pas facile à réaliser. Et je sais que nos services ne sont pas organisés de cette manière-là. Hein? Quand j'admets quelqu'un, généralement, c'est pour de très longues périodes. Et quelquefois, pour quelques-uns, même s'ils n'ont pas besoin de nos services, ils restent quand même dans nos services. Parfait. Circularité des rôles, donc voilà ce qui est exprimé, préjugés ou fausses croyances, lorsque les attentes sont inférieures, attentes donc inférieures par rapport à la personne, parce que, exemple, je considère que la personne a plutôt des incompétences que des compétences, mes attentes inférieures vont en fait nier des opportunités ou des occasions de développement. Parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin, de toute façon, il n'appréciera pas, c'est comme un enfant. Il n'apprécie pas beaucoup, il faut faire attention pour pas qu'il brise. On lui donne des jouets, mais pas trop. On lui laisse sa doudou. Une doudou, c'est une couverture chez nous. Vous voyez, à la naissance. Elle est rose si vous êtes une fille, elle est bleue si vous êtes un gars. Et on est en train de penser à d'autres couleurs éventuelles, là, compte tenu de la situation sociale. Et à 40 ans, hein, tu te souviens, Michel? Parce que Michel était directeur d'établissement. Tu vois, une personne, il y a 35 ans, avec sa doudou, ça va au resto. Tu dis, l'image, ben, elle vient de confirmer l'image que je suis comme un enfant, puis un éternel enfant. Tu dis, non, c'est un adulte, hein, il a des gros bras, c'est un adulte, il a une vie sexuelle, il souhaiterait en avoir une. C'est pas un enfant. Tu dis, ben oui, regarde son comportement, regarde. Tu dis, oui, mais c'est peut-être parce qu'on s'en est pas occupé. Et que ça, en établissement, c'était pas bien ben important, parce que de toute façon, tout le monde l'avait, ou qu'il prenne sa douche nue, c'est pas bien grave, devant tout le monde, ou que la porte n'est pas fermée quand il va aux toilettes. Mais dans d'autres contextes d'intégration, ça devient fondamental. Vous voyez? Et donc, c'est pas de lui enlever ce qu'il a, évidemment, à 40 ans, c'est de voir comment on peut mettre en place des modèles de substitution de l'attachement qu'il a à un objet. Mais ça, on aurait dû faire ça il y a 25 ans, il y a 30 ans, lorsqu'il était jeune, et que graduellement, il passe à d'autres modes d'attachement que celui-là. Je vous donne un exemple, donc c'est cela ici.
des expériences donc de vie restreintes qui sont conséquents de la négation des opportunités, un retard évidemment accentué au fur et à mesure que la vie passe et que le temps passe, qui vient en fait confirmer que j'avais bien raison de penser ce que je pensais parce qu'il n'était pas capable de le réaliser. Puis il ne sera jamais capable, puis plus ça va aller, moins il va être capable. J'ai dit non, je ne peux pas être payé pour rendre les gens incapables. Je suis plutôt payé pour les rendre capables. Donc voilà, valorisation des rôles sociaux, donc un raffinement des principes de normalisation. Il va dire développement des capacités et des habiletés personnelles. L'amélioration de l'image sociale de la personne, notamment capacité et habilité de personnel. Je vous donne des principes concernant ça. Ça suppose chez nous, ça dit chez nous comme équipe, ça suppose la présomption de compétence et l'adoption de modes d'intervention en fonction de la croissance des personnes, peu importe leur âge. Vous allez me poser la question, oui, mais entre un enfant, un adulte qui a déjà son travail, c'est déjà son rythme de vie, bien sûr. Mais même l'adulte est en développement, en questionnement, wow, peut-être pas au même rythme que l'enfant, bien sûr, qui apprend et qui se développe de façon plus intensive. Et il y a des moments, ce que j'appelle, moi, des plateaux pour lesquels les personnes ont une vie, comme pour vous, qui n'est pas nécessairement avec autant d'intensité dans le développement et pas nécessairement sur les mêmes compétences, éventuellement sur d'autres compétences, sur des acquis à raffermir ou encore des relations à développer ou, bon, lorsqu'on est adulte. Et par la suite, bien évidemment, en fonction de l'âge, du rythme de vie, du contexte environnemental, ils auront besoin peut-être plus de soutien avec le vieillissement. Donc, plus d'intervention éventuellement, plus de, je dirais, d'être en prévention de ce qui va venir au plan physiologique pour certaines personnes. En trisomie 21, par exemple, vous savez, 45, 46, 47 ans, c'est un moment assez crucial. Hein. Problèmes circulatoires, problèmes respiratoires éventuels, etc. Donc, c'est peut-être intéressant que la personne, sans s'affoler, comprenne ce qui arrive lorsque les choses arrivent. Donc, ça veut dire que moi, je suis attentif à ce qui se passe parce que probablement, ça va se manifester tôt ou tard. Et je prépare la personne à pouvoir assumer une certaine autonomie de sa vie et de certaines incapacités qui risquent d'apparaître assez rapidement, parce que ça arrive quand même assez rapidement. Donc, j'ai des programmes en conséquence, j'ai des façons d'intervenir, des stratégies en conséquence dans le cadre de ces situations. Puis ça exige l'utilisation de techniques et d'équipements qui sont appropriés, les plus normaux possibles, pour parvenir donc à développer ces compétences. Je suppose des rôles sociaux valorisants et la mise en place de tout ce qui améliore l'image sociale de la personne. Et je vais aller aux outils, parce que c'est peut-être comme intervenant souvent ce qui nous intéresse, c'est de dire, oui, mais quel outil dont je pourrais disposer, quel est le kit que je pourrais utiliser pour résoudre tel ou tel problème. Et en propose un, lorsque Wolfenberger a commencé à travailler avec Susan Thomas à l'Université de Syracuse, dans l'État de New York, près des Grands Lacs canadiens, entre autres. Superbe, superbe université. Ils ont travaillé, en fait, à élaborer ce qu'on appelle le PASS, le Programme d'analyse des systèmes de services, qui propose, en fait, un outil qui va regarder, évaluer la conformité du service observé, que ce soit un ESAT, que ce soit un foyer d'hébergement, peu importe, qui va l'observer, et qui va tenter de mesurer son écart par rapport à ce qui devrait être idéal. C'est souvent des évaluateurs, 3 à 5 évaluateurs, qui d'abord vont observer ce qui se passe dans la communauté pour des personnes qui travaillent du même âge, etc., etc. Où est-ce qu'ils habitent, pour se faire une idée de ce qu'on appelle le culturellement valorisé. D'accord? Et ça, vous pouvez le faire vous-même aussi hein, dans votre pratique. Donc, qu'est-ce qui est culturellement valorisé? Et ensuite, on se retourne avec une série de questions, puis je vais vous en montrer quelques-unes. Une série de questions, bien, est-ce que ça ressemble à ce que vous avez vu? Et quel est l'écart entre ce que vous avez vu de la communauté, qui est normalisé, et ce que les personnes vivent, ou dans quel lieu ils habitent, ou, oui? Le
Le Passing, qui va suivre par la suite, qui est une autre version, c'est le programme d'analyse des systèmes implantés, des buts de la normalisation, des objectifs de la normalisation. Le Passing est une formule, je pense, améliorée, révisée à l'aide des premières expériences faites par le PASS par la suite. Donc, c'est les deux documents les plus importants qui circulent. Vous avez ici en Europe, et Christian a collaboré aussi à cette équipe, un instrument qui ressemble au Passing, qui s'appelle Valoris. Si vous allez sur le site Internet, Valoris, V-A-L-O-R-I-S, Valoris pour valorisation, hein, valorisation des rôles sociaux, avec la permission des auteurs du Passing, a été adapté à la situation européenne, notamment à la situation française. Et cette équipe, je pense, fait de l'audit externe auprès d'établissements, entre autres, selon la loi, je crois, de 2002 ou 2005, là, je ne me souviens pas laquelle des deux, demande à ce qu'à certaines périodes, il y ait un audit externe. Donc, le modèle se développe, on s'outille, et je vous montre comment fonctionne globalement cet outil. Donc, il va, en ce qui concerne l'image liée au service, bien, il va examiner ça sous différents angles. Intéressant parce que, toujours, je vais prendre l'autre micro si vous... Donc, je disais intéressant parce que ces outils, bien que limitatifs comme n'importe quel outil, okay, nous permettent au moins de s'ouvrir à des réalités et de ne pas, des réalités différentes, et de ne pas oublier des aspects qui, dans notre pratique, pourraient être importants sur ou bien le développement des compétences ou le développement de l'image sociale de la personne. Par exemple, l'harmonie du service avec le voisinage, je vous en ai parlé. Par exemple, avoir un foyer développé dans un milieu plutôt industriel quand il n'y a personne d'autre qui y vit serait en contradiction. Avoir un atelier de travail dans une résidence où les autres autour vont plutôt se reposer, prendre les repas ou autre, serait en contradiction avec les principes. Voyez un peu? Donc, ça nous aide, l'harmonie. Qu'est-ce qu'on fait de ce service et qu'est-ce qui est dans le voisinage? L'harmonie du programme avec le voisinage, c'est le deuxième exemple que je vous donnais. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce milieu et quelles sont les activités autour? Vous voyez? Par exemple, j'ai un service de recherche d'emploi pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle dans un certain quartier, et il loue un bureau avec d'autres organismes comme la soupe populaire, comme recherche d'emploi pour tel type d'autres, pour l'organisme d'intégration en santé mentale ou de l'hôpital. Donc, on le voit sur le panneau, ils affichent environ 7-8 services différents pour personnes ayant des incapacités. Est-ce correct? Est-ce l'idéal? Tu dis, ben d'abord, c'est correct parce qu'au moins, il y en a un service, là, il s'en occupe. Il ne faut pas nier ça. On fait au moins quelque chose. Ça, c'est... Mais est-ce que c'est le bon endroit pour trouver du travail? Moi, je pense que non. On devrait être dans un incubateur industriel avec ceux qui donnent du travail, se faire connaître, utiliser ou partager des services avec d'autres. Vous voyez? Ça serait mon idéal. Parce que les entreprises qui veulent se développer, ils ne vont pas avec des entreprises qui réussissent moins. Où ils ne veulent pas avoir une image accolée à leur situation qui risque d'être perçue comme étant négative. Donc, je vais choisir compensation positive un peu plus, et je vais aller plus de ce côté-là. C'est peut-être plus difficile à développer, c'est peut-être un développement futur à venir, mais ça me donne une orientation, vous voyez? La question m'oriente, entre autres pour ce type, et c'est vrai pour tous les services. L'esthétique de l'extérieur de l'établissement, j'en ai parlé tout à l'heure. L'esthétique de l'intérieur de l'établissement, la chambre de l'usager, d'abord, l'usager vit seul dans sa chambre, hein, s'il le souhaite. S'il veut vivre avec un autre, ben, est-ce possible? Vous saurez me le dire. Normalement, il y a des personnes qui vivent seules dans leur chambre et des personnes qui vivent à deux, moins qui vivent à trois, encore moins à quatre ou à six.
Puis les dortoirs, on n'en connaît à peu près pas, sauf dans les colonies de vacances, ou à peu près. Hein? Ou dans les centres d'hébergement là, pour dépanner qu'on a dans les grandes villes. Donc, l'esthétique, est-ce que c'est décoré? Est-ce que c'est bien personnel? Est-ce qu'il a, il s'y reconnaît aussi? Est-ce que, vous voyez? L'apparence extérieure de l'établissement, donc conforme à ses équivalents culturellement valorisés. L'apparence intérieure de l'établissement conforme à ses équivalents culturellement valorisés, etc. Je vais prendre un exemple parmi ceux-là. Je vais prendre ces deux exemples-là. J'aurais pu prendre d'autres, là, parce que chacun propose de 8 à 10 questions précises sur lesquelles on peut mesurer. Ça, c'est des paramètres avec des sous-questions par la suite. Le document doit avoir, Christian, à peu près, quoi, 300 pages, 350 pages, à peu près, de questions et autres. Oui, plus que ça, même. Parce que c'est recto verso, okay, ça m'apparaît 300 feuilles, disons. Ce n'est pas des pages, mais des feuilles. Et donc, il me propose, dans le modèle, en disant, voilà un exemple de ce qui serait en infraction. Voilà un exemple de ce qui serait l'idéal. Voilà un exemple de ce qui serait acceptable, vous voyez? Donc, il ne vous envoie pas tout de go seul en train de juger, mais il vous propose des modèles ou des exemples. Ça sera à vous aussi à ajuster ces modèles en fonction de l'endroit ou de la culture dans lequel vous vous situez. Si je prends l'image de l'extérieur de l'établissement et que je peux y aller, voilà. Les questions. Oups. Attendez, je retourne. J'ai dit ça. Est-ce que je suis encore dans le même? Ça me stresse toujours hein, quand il y a des hyperliens. Je ne sais jamais où ça va tomber. Ici, je m'en vais ici. Image de l'intérieur d'établissement que je clique sur ça. Question. Ah, voilà, je l'ai. J'ai pris 3 questions parmi les 10 qui étaient posées pour vous montrer, vous donner un exemple. Question, est-ce que la conception architecturale intérieure, distribution, dimension des pièces, est-elle adaptée aux besoins des personnes, à l'âge des usagers et à la culture locale? Est-ce que c'est ce qu'on retrouve généralement, oui? Ou encore, lorsqu'il s'adresse à un usager, les membres du personnel tiennent-ils compte de son âge ou de la culture locale? Ça aussi, c'est assez drôle, d'une certaine manière, hein, quand on observe. Je pose la question à un intervenant qui a peut-être 55 ans. J'ai dit, je t'ai vu interpeller quelqu'un et je voudrais avoir de l'information. La personne qui a circulé, tu l'appelles ma petite Rosie. J'ai dit, c'est son prénom, ça, ma petite Rosie? Ben non, il dit, c'est Rose, son prénom, c'est Rose. Ah. Mais pourquoi tu l'appelles ma petite Rosie? Rosie approche 60 ans ou... Et ou 45, peu importe. Et puis, donc, c'est un adulte, elle a... Et à l'extérieur, j'ai observé à l'extérieur comment les gens s'appelaient. Ils ne s'appellent pas toutes, mais mon petit Edard, mon petit Thomas, mon petit... Hein. Mais pourquoi ici, dans la culture que vous avez, vous appelez les petits? Parce qu'elle n'est pas petite. Puis, deuxièmement, elle n'est pas jeune. Elle est pas... Puis, à l'extérieur, une personne, qu'est-ce que vous feriez avec une personne semblable au resto que vous connaissez... ou que vous voulez interpeller, est-ce que c'est le prénom, le nom? Vous voyez, j'interroge. Et la réponse est assez simple après une heure de discussion. Tu dis, c'est vrai, je l'ai toujours appelée ma petite Rosie, c'est toujours resté un petit peu mon enfant, c'est toujours, puis elle me connaît sous ce nom-là, hein? Quand je l'interpelle, elle se reconnaît, etc. Je dis, c'est comme si vous n'aviez pas vieilli ni un ni l'autre dans votre relation, et qu'elle était toujours un peu votre enfant. Elle n'est jamais devenue une dame pour vous. Elle est toujours... Et c'est vrai que ça fait réfléchir, vrai? Ça fait réfléchir, et c'est assez simple comme exercice à faire. Des moyens destinés à améliorer l'esthétique du cadre de vie sont-ils mis à la disposition des usagers? Posters, tableaux, sculptures, plantes, etc. Est-ce qu'on leur permet d'avoir accès à du matériel pour qu'ils décorent? Bon, c'est de plus en plus utilisé, ça je le vois de moins en moins en infraction dans les établissements. Je vais à l'autre. Pour aller à l'autre, je fais ceci. Oh, attendez. Je vais juste voir. Ah, ici, il y avait un retour.
Il y avait un retour qui était là, qui m'amène au deuxième. Qui m'amène à des questions. Voilà deux autres questions pour le deuxième groupe. Par exemple, est-il facile et rapide d'accéder au dispositif? Durée de trajet raisonnable, fréquence des transports suffisante ou insuffisante, coût adéquation avec les ressources des personnes accueillies, etc. Ça, c'est sur l'accessibilité, c'est le concept d'accessibilité. Est-ce que pour me rendre chez vous, ça me coûte cher, ça me prend beaucoup de temps, ce qui va faire en sorte de décourager beaucoup de personnes qui ne pourront pas vraiment accéder. C'était le cas chez nous il y a quelques temps aussi, où on avait des services en déficience intellectuelle, un centre à Québec, un centre à Montréal, et tout le monde était placé. Mais les parents, à l'époque, pour certains, devaient faire aller-retour facilement 350 ou 400 km pour aller voir leur enfant. Vous le faites les premiers mois, mais ça diminue évidemment la fréquence avec le temps, surtout si vous avez d'autres enfants et que vous avez une famille nombreuse. Vous ne pouvez pas maintenir le rythme, ce n'est pas possible de le maintenir. C'était la même chose à l'époque en Lozère. Il n'y a personne de la Lozère ici? Donc, je peux en parler. Hein, vous ne le direz pas à personne, ce que je vous ai dit. Okay. En Lozère, autrefois, avant l'autoroute 75, c'était assez difficile de s'y rendre. Hein? Il fallait passer par les Cévennes si vous veniez de l'Est, Mende, etc., pour être capable de s'y rendre. Ou le train, mais le train, vous en aviez Paris-Marvejol, par exemple, bien, ça vous prenait à peu près 11-12 heures, avec des sièges en bois assez droits, puis il fallait être assez costaud pour y aller, si vous étiez de Paris. Donc, vous placiez, puis vous oubliez. C'est un peu ça qu'on vous recommandait, d'ailleurs. Hein. Vous placez votre enfant, vous l'oubliez, vous vous occupez des autres enfants, et nous, on va s'en occuper. On vous écrira, peut-être une fois par année, pour vous tenir au courant de l'évolution de votre enfant, votre garçon ou votre fille. C'est à peu près... Maintenant, c'est, évidemment, ça a changé. Ça a changé aussi chez nous. Ça s'est rapproché des différents besoins, hein, de l'intensité de besoins dans certaines régions. Et on est quand même plus outillé pour des services de proximité. Ici aussi, bon, on a d'autres types de problèmes, bien sûr. Hein. Paris, c'est pas facile chez nous aussi. C'est la même chose à Outremont ou à Westmount, où les maisons, si on veut s'implanter dans des quartiers où les maisons sont extrêmement chères, c'est difficile pour un établissement d'investir, ou c'est difficile pour des personnes de se mettre en coopérative puis acheter une habitation ou autre. Donc, on se retrouve un peu dans des quartiers populaires. Vous voyez, même si on voulait briser un peu cette routine d'aller vers des quartiers que populaires, bien, c'est pas facile parce qu'on n'a pas nécessairement les fonds pour être capable d'accéder à ces milieux-là, entre autres. L'implantation donc géographique dans le quartier facilite-t-il les échanges avec les habitants et les prestataires de services? Est-ce facile, là où vous êtes, de pouvoir accéder aux voisins, de pouvoir accéder au commerce, de pouvoir à pied, d'abord, très positif, en auto ou en bus, deuxième catégorie, un peu moins positif, parce que l'autobus, c'est pas valorisant, c'est parce qu'il faut que j'attende que l'autobus soit disponible, parce qu'on n'en a pas des tonnes, puis il n'y a pas des tonnes d'intervenants disponibles aussi pour nous amener, donc je suis obligé d'attendre. C'est la même chose que quand j'ai une résidence unique en milieu rural. Si vous êtes en milieu rural et qu'il n'y a pas de bus qui passe et que vous attendez toujours après la personne disponible, soit de votre famille ou soit de la famille, de la ressource de type familial chez laquelle vous habitez, ben c'est moins positif parce que vous ne pouvez pas avoir accès facilement à votre environnement. Vous êtes un peu prisonnier de la disponibilité des ressources. Je vais au retour, je vous donne d'autres exemples. Lorsque des programmes ou des services différents coexistent, les efforts sont-ils faits pour les distinguer ou on pourrait faire d'éviter les transferts d'images dévalorisants et d'apporter des réponses adéquates aux besoins de chacun, ou encore les structures étaient situées à proximité d'établissements, services ou sites de toute nature susceptibles de valoriser l'image des personnes et non pas de faire l'inverse? Et si je vais aux questions... Une question. Par exemple, les usagers ont-ils des relations valorisantes suffisamment fréquentes et régulières avec des personnes ne vivant pas dans une culture institutionnelle? Acteurs locaux, proches, wow. C'est bien d'avoir des contacts avec d'autres personnes qui ont le même déficit que moi, mais c'est bien aussi d'en avoir avec des personnes qui n'ont pas nécessairement les mêmes incapacités.
pour apprendre d'autres choses, etc., et pour être considéré comme une personne à part entière. Voilà. Et je ne vous les donne pas tous parce qu'il y a 44 indicateurs sous ces deux catégories-là, puis il y a en moyenne de 7 à 10 questions par indicateur. Donc, vous avez autour de 500 questions. Vous ne les faites pas de la même journée non plus, hein, ben bon, mais vous pouvez vous en inspirer pour discuter avec vos équipes aussi. Ça vous pose des questions et ça vous permet de vous mettre sur la piste de la valorisation des rôles sociaux. Donc, vous avez ce type de questions. Je vous dis, par exemple, je passe dans un quartier, je vais essayer de le situer en fonction des heures habituelles ici. Je passe, il est 18h ou 17h30. J'ai 4 usagers qui sont dans une balançoire, je ne sais pas si on dit la même chose, balancing, vous voyez un peu, ils sont dehors, voilà. Mais ils sont en pyjama. Moi, je vois l'université. Je suis curieux, dans le voisinage, c'est rare que le propriétaire à côté sorte en pyjama pour exercer ses loisirs. À 17h30, il est fait peut-être de nuit, là, j'en sais rien, je ne peux pas aller voir. Mais ce n'est pas habituel. Quand je rentre dans certains établissements, c'est déjà fait. La douche est donnée, tout est prêt. Et c'est bizarre. Parce que dans la communauté, les gens ne prennent pas leur douche avant de souper, ou avant de dîner, pardon. Avant de dîner, ils le font après. C'est curieux, ces habitudes de vie ici. Ah oui, mais on a des usagers un peu spéciaux. Ah bon? Ou est-ce que c'est peut-être nos horaires de travail qui sont un peu spéciaux? Parce que c'est peut-être à l'équipe de soir, hein, à faire telle chose, puis l'équipe de jour fait telle chose, on a une convention, on a... En fait, ça n'a rien à voir avec la vie ou le style de vie de l'usager. Hein. Mais quand ils sortent en pyjama à 17h, là, ils ont l'air vraiment bizarres. Et la réponse du voisinage est toujours la même. Tu dis, oui, mais c'est comme des enfants. Tu dis, oui, mais c'est comme ça, eux autres. Tu dis, et j'ai toujours la tentation de dire, non, non, ce n'est pas eux autres. Les autres ne sont que le résultat de ce qui leur arrive. Ce n'est pas eux autres la cause de le modèle PPS. Ce n'est pas eux autres la cause. C'est d'autres. L'organisation du travail, mais c'est autre chose que ça. Vous voyez? Donc, de rendre conscient de ces choses-là, de se mettre en action pour trouver une meilleure façon d'y arriver à être culturellement valorisé par rapport aux autres. Et c'est à la fois des petites choses réalistes qui nous permet d'atteindre graduellement cet idéal de valorisation du rôle social. Donc, voilà. Mon accent n'est pas toujours trop fort, ça va? Bon. Malgré l'accent, c'est valable partout. Hein? Vous enlevez l'accent, puis que ce soit en anglais ou en français, ou peu importe. Donc, voilà, séparation des fonctions du programme pertinent à la culture. Bien sûr, si je suis en loisir, je suis dans des lieux où on fait des loisirs. Hein. C'est pas à l'intérieur de mon appartement. Donc, j'ai une séparation des fonctions. C'est pas n'importe quoi. C'est aussi des fonctions qui permettent aussi d'avoir une certaine intensité. Vous voyez? Je voyais dans des écoles spéciales où je regardais l'horaire des activités pour les enfants. Ils arrivent à 9h, 9h30 par le bus. Ils ont des activités jusqu'à 11h30, ils mangent, ils ont la sieste, un film, puis ils retournent chez eux à 15h30. Ce n'est pas beaucoup d'intensité, ça dépend de l'âge, bien sûr. Hein. Mais pour un jeune adolescent, 3 heures par jour ou 4 heures par jour, c'est pas suffisant pour se développer à cet âge-là. On devrait faire un peu plus, vous voyez ce que je veux dire, et non pas un peu moins, parce qu'ils ont une déficience intellectuelle et qu'on n'a pas les services. Donc, je passe un peu plus rapidement là-dessus. Si jamais vous voulez en avoir plus, soit le Comité franco-québécois ou encore sur le site Internet de Wolfenberger. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous lisez peut-être l'anglais ou valorisation des rôles sociaux pour en français un peu plus et qui, nous documente sur ça. J'arrêterai. Ça, c'est fait. Le langage, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Les possessions personnelles, c'est la même chose, relatif à mon âge. L'appellation, donc, des usagers, ça, j'en ai parlé. Les noms de l'agence aussi. Hein, les noms qu'on donne à nos services. Moi, je préfère l'appellation centre jeunesse à l'appellation centre pour jeunes délinquants. Vous voyez?
Tu dis, oui, mais c'est des délinquants. Mais non, tu dis, c'est des jeunes. Tu dis, oui, mais c'est des jeunes délinquants. Tu dis, non, c'est des jeunes. En besoin de réadaptation sociale, peut-être, mais c'est des jeunes. Vous voyez le combat pour les appellations? Parce qu'une fois que tu vas l'avoir affiché à l'entrée, sur ton papier d'en-tête de lettres, sur tes lettres, sur le bus que tu utilises, sur, hein, plop, 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 tu vas donner une image avec l'appellation de personnes qui devraient être plutôt valorisées par compensation auprès de la population. Ils n'ont pas l'inverse. Moi, combien de bus que je vois, dont deux? Bien, ça donne l'impression de personnes à qui on fait la charité. Est-ce qu'il y a moyen, chez nous, c'est aussi pareil, don du club Kiwanis, par exemple, ou du club Richelieu, peu importe, il a fait don d'argent pour acheter un bus. Et là, c'est écrit en gros, chaque côté, presque sur le pare-choc avant, puis il dit, non, c'est pas un bus, vous faites de la publicité en disant, vous êtes don charitable. Je veux pas de ce genre de rapport-là au plan social. Je veux qu'ils soient reconnus comme des personnes dites citoyennes comme les autres, et non pas dans des classes sociales comme autrefois on avait, hein, « Put your hand in the cap », tu sais, « Fais-moi la charité ». C'est vrai qu'on a encore des télétons. C'est vrai qu'on fait pleurer un petit peu là-dedans. Est-ce bon être mauvais? En principe, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. On devrait avoir plutôt des mesures fiscales nationales qui permettent aux personnes de mieux vivre, des capacités pour ces personnes à recevoir un salaire digne de ce qu'ils font, quelquefois. Parce que vous savez, c'est comme chez nous. Si je dépasse un peu les sommes qui me sont attribuées durant l'année, durant la semaine ou le mois, ben on me retire le surplus parce que je n'ai pas le droit de gagner plus que tant. En fait, pour moi, il n'y aura jamais de promotion tant que je serai considéré déficient intellectuel. En fait, il y a des plateaux. Hein? Chez nous, on disait qu'il est plafonné. Il est arrivé la tête au plafond, il ne peut plus aller plus loin. C'est tout, c'est le bout. Tu dis, oui, mais pour les autres, c'est pas le bout, là, c'est juste le commencement. Pourquoi pour eux, c'est pas comme ça qu'ils ne pourraient pas? Ça pose d'autres questions, ça pose d'autres problèmes, mais je pense qu'il ne faut pas éluder ce genre de questions. Donc, voilà, on pourrait évidemment parler pendant des heures et des heures. Ça, j'en ai parlé, donc confort de l'établissement, caractéristique, une série de mesures, il y en a 44. Je vous fais grâce de l'ensemble des mesures qui sont prises ici. Si vous voulez bien, je pense que vous avez saisi un peu l'essentiel, hein, du modèle qui est proposé. Je ne veux pas vous lire les 300 ou les 400 pages là, qu'on contient le document. Il est fait sur le même modèle, on comprend un peu. Et si on est curieux, on pourra aller voir des choses. Et si c'est utile, peut-être l'utiliser dans notre pratique à toute fin utile. Et je suis à la question fatidique. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, vous allez être condamné à une pause. Hein? À une question que je vous poserai alors, pensez-vous que ça soit utile dans votre pratique? Comme intervenant, comme directeur, comme cadre, comme parent, éventuellement? Ça pourrait être utile? D'accord? Parce qu'à celles ou à ceux qui disent oui, habituellement, ma deuxième question, mais comment? Comment serait-il? Vous voulez nous en parler un peu? Comment vous pourriez l'utiliser? C'est sûr que je vous prends à l'improviste. Vous, votre voisine. Est-ce que vous préférez votre voisine répondre? Oui, hein, habituellement, c'est ça. Et vous avez le choix, ça pourrait être votre voisin aussi. Mais je ne peux pas aller plus loin que le bout de la... Ça. S'il y avait ici le micro, je vais vous passer le micro. Ça vous va si vous en parlez un peu? Comment on pourrait être utilisé dans votre service à vous? Nous décrire votre service et autres? Merci. C'est après les questions. Daniel. Tu as des boîtiers après. Après, oui. Oui, donc, je vais le faire court. Ça ne va pas être tellement de... C'est pas tellement de la projection, puisque on a la chance aujourd'hui sur l'association dans laquelle on travaille d'avoir misé sur la mise en place déjà dans un premier temps de formation au niveau de l'ensemble des établissements et des services, des administrateurs. Et puis, donc que ce soit sur la valorisation des rôles sociaux, sur l'autodétermination. Et puis après, c'est des pratiques au quotidien. Moi, pour l'avoir vécu par ailleurs, ça passe par des échanges à travers ces outils-là
de discussion avec les équipes à différents postes que j'ai pu occuper. Et ça s'imprègne, enfin tout le monde est concerné, c'est-à-dire que c'est des discussions qu'on a aussi avec les gens qui travaillent dans l'administratif, pas que les éducateurs, voilà, c'est avec les dames qui font le ménage, c'est avec les messieurs qui s'occupent de l'entretien des locaux, voilà, c'est avec les familles forcément, et puis bah, c'est toujours des discussions avec les familles parce que c'est pas évident. C'est violent, hein. C'est violent, enfin, pour avoir emmené cette façon de voir dans un établissement qui avait 36 ans d'expérience et des routines avec un public extrêmement... c'était une maison d'accueil spécialisée. Bah, ça a été très compliqué pour des salariés. C'est une autre façon, c'est un autre regard qu'on pose sur la personne. C'est une autre façon de travailler, c'est une autre façon de s'organiser. C'est d'autres priorités. C'est d'autres rapports même avec les organisations syndicales. C'est... Oui. Et voilà, il y a des tensions. Okay. Bien sûr, c'est un autre regard sur nos propres services, hein, sur notre propre aide. Là, ouais. C'est pas ça. Vous êtes de Roubaix-Tourcoing? Non, je suis de Dunkerque. Ah bon? Ah, oui. Intéressant. Mm. D'accord. Vous laissez. OK. À droite. À droite, c'est par ici. Voilà. Après, on reviendra vers vous après. Ouais, c'est voilà. À gauche pour elle. Enfin, à gauche, pardon. C'est la droite de la gauche. Le micro s'en vient. Non, mais c'est d'actualité, hein, à droite, à gauche. Bonjour, donc François Bernard. Moi, je suis le directeur général du GAPAS. C'est un groupement d'associations qui gère des établissements dans les Hauts-de-France et l'Île-de-France. On va démarrer, nous, d'ici la fin de l'année 2007, un cycle de formation sur l'autodétermination, notamment avec Martin Caouette, oui. L'Université de Trois-Rivières. Et je me posais quand même la question de est-ce qu'il y a nécessité, enfin, quels sont les liens entre la VRS et l'autodétermination, qui sont, j'ai l'impression, complémentaires. Et est-ce qu'il y a lieu de d'abord démarrer par la VRS avant l'autodétermination, enfin, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, Ça ne peut pas se croiser, ces approches-là. Voilà. Ouais. Moi, je pense qu'effectivement, ça se croise. C'est un peu comme la question de l'œuf et de la poule. Lequel est en premier, lequel est en deuxième? Si vous voulez examiner vos services, les ajuster en fonction d'une plus grande autodétermination de la personne, de meilleurs moyens pour y parvenir, je pense que la VRS est un outil probablement plus approprié. L'autodétermination est particulièrement appropriée pour accompagner ou soutenir la personne dans sa prise de décision, en comprenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, comment lui enseigner à anticiper, à porter un jugement, à se récompenser, à s'autoréguler. Vous voyez? Donc, 7 ou 8 grands champs d'intervention sur lesquels on devrait agir pour permettre à la personne d'être autodéterminée. Vous voyez? Donc, 1, regarde les services. Qui devient complémentaire, évidemment, à l'autodétermination, et l'autre s'attache davantage à outiller la personne au niveau de ses compétences. Mais je vous invite à faire les deux formations. Une dernière question, parce que s'il n'y a pas d'autres questions, oui. Non? Pardon? Oui. Oui, j'ai pas oublié, vous me l'avez dit tantôt. S'il n'y a pas de questions, moi j'ai 2 questions pour vous. Allez, je pense. On va pouvoir jouer. À vos boîtiers. Et là, avec tout ce que j'ai dit ce matin, je suis persuadé qu'on a 100% dans le premier 5 secondes. Attention, la première question s'en vient. En général, pensez-vous que l'on manifeste, en général, donc dans la population... que l'on manifeste des attentes suffisamment élevées envers les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Oui ou non? En général. Avec la musique qui est parfaitement adaptée. Donc, il y a un roulement de tambour. À l'enjeu de la réponse. Oh, 90 ont voté. Et quel est le 95? On va peut-être dépasser le 128. Ah non. Oh, non.
Donc, vous me dites qu'il reste encore un peu de travail à faire, à la fois sur les compétences et sur l'image des personnes et le regard des autres. C'était plus facile, celle-là, il faut avouer. Bon. Deuxième question, et je vais terminer là-dessus. Laquelle des deux manières suivantes de soutenir la valorisation des rôles sociaux vous semble plus correspondre à vos compétences? Celle de l'image, faire attention un peu plus à l'image, travailler au niveau de l'amélioration de l'image sociale des personnes, ou celle du développement des compétences de la personne, des aptitudes, des habiletés, laquelle des deux semble être pour vous une voie assez importante de développement pour les personnes? Roulement de tambour. 92 déjà. Mais est-ce que c'est 92 de tantôt ou c'est un nouveau 92? Vous avez déjà voté? Réponse. Ah, j'ai peur. Intéressant. Vous nous dites en grande majorité, moi je travaille au niveau des compétences et des habiletés, etc. À l'école, au travail, dans les loisirs, peu importe. Donc, les habiletés. Et 27 disent au niveau de l'image de la personne aussi, où moi, j'aurais plus tendance à m'occuper ou être compétente pour intervenir sur ça. Évidemment, les deux aspects sont importants, mais les compétences particulièrement. Et la grande règle, commencer tôt et de manière intensive dans la vie des personnes pour les aider. C'est la clé du succès. Et ensuite, maintenir les acquis, parce que rien ne garantit que les acquis qui ne sont pas stimulés de nouveau se maintiennent. Ça va? Et avec ces réponses fracassantes, vous avez mérité une pause de, monsieur l'animateur? De 20 minutes. De 20 minutes ce matin. Merci beaucoup.